Hello tout le monde, je suis le réalisateur du film Omimaiko Station, réalisé dans le cadre de mes études pour les arts décoratifs de Paris. Dans le film, je fais place à une enquête autour d'une adolescente qui aurait disparu de sa ville un soir d'été et qui aurait laissé comme unique indice une carte SD remplie de vidéos de sa ville et du Japon. La genèse autour du projet tourne autour de plusieurs préoccupations personnelles liées aux espaces et au temps de mon enfance. C'est simplement des retours incessants entre Paris et ma ville pendant mes études qui m'ont fait réaliser à quel point cette dernière avait eu un impact sur qui j'étais et comment cela agissait dans la perception que j'avais de mon environnement d'enfance. Puis un autre événement qui a approfondi ce premier constat est arrivé lors de mon séjour d'études à Kyoto en 2017, où un soir, près du plus grand lac du Japon qui est le lac Biwa, je me suis retrouvé seul la nuit tombante, et c'est à ce moment-là que des souvenirs de lieux et de temps assez espacés et assez anodin, flashait ma mémoire au fur et à mesure que je parcourais les espaces. Donc j'en ai déduit une connexion très forte entre le Japon et mon enfance, et c'est pour ça que dans le film j'ai voulu rappeler ces ponts entre ce pays et ma ville. Donc le film est écrit à travers une voix off sur lequel j'ai collé des images que j'ai fabriquées avec trois techniques différentes. La première est une projection de vidéo personnel sur deux feuilles blanches et une plaque de verre. Puis je photographie image par image tout en changeant de feuille à chaque prise. Et ainsi il se produit une sorte d'effet de vibration et de flou, comme pour rappeler la trame d'un écran d'ordinateur sur lequel viendraient s'associer les troubles de la mémoire de l'enquêteur. Et justement, tout le long du film, ces images-là se confondent progressivement avec les pensées de cet enquêteur. Et c'est ainsi que je fais intervenir l'animation dessinée. Donc les plans animés en dessin sont faits au crayon graphite et proviennent aussi de ces mêmes vidéos personnelles, mais également de films, d'images satellites et même de jeux vidéo. Enfin, la dernière technique est l'ajout d'images filmées en 8 mm, montrant Omimaiko et ses environs. Ces images-là ponctuent sporadiquement le récit. Elles sont en fait le témoignage de l'enquêteur qui s'est rendu là-bas pour les besoins de l'enquête, un an après la disparition de la jeune fille.